est impossible de ne pas regarder en arrière et garder à l'esprit quelle est l'histoire des écoles Pardesrana et Betrana qui ont vécu longtemps dans les années 80 dans des rez-de-chaussée de HLM, dans des préfabriqués à la rue Riquet, dans des locaux sans fenêtres ni sans cour au quai de la Loire. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'est aujourd'hui Betra Yamushka, nous sommes dans un miracle total. Versichert der Glück und der Sipuknapsche der Zufriedenheit und der Nuchas Anefesh von die, was teilen voneinander die Geld oder teilen voneinander die Stadlos, wie was Konus, erwähnen sie haben ein ruhigen Nuch, ein guten Nuchas Anefesh, ein ruhigen Leben, wissen dich. Am hat voneinander geteilt in Asami Nefma zum alle Menschen hat besorgt dem Chinuch HaKosche. Und das ist nicht nur eine, wie gesagt, früher eine Gseele, nur wie man sagt in Loschen HaMischa, das ist ein Investment, am legt da rein Geld. Oder ich schlag bloß, was Zolzer heißt, kam ein Bonn im Kocho, wie gesagt, früher auch noch mehr. Wie von Älteren geben Kinder, sehen sie, geben sie nur die richtige Sache, in der richtigen Zeit, in der richtigen Maß, bekommen sie der Funkgufe, wo sie wissen, dass sie getan haben, eine gute und richtige Sache für Kinder. Bis sie bekommen nicht bepasst, dass die Jastin, wenn die Kinder wachsen, lesen, haben sie im Leich auf Nahe, volle Hefnis von Emes Naches, von den Kindern an der Jomi wie schon im Tevis. Thank you.
Le complexe Betra Yamushka, c'est un complexe de vie communautaire. Les enfants sont inscrits à la crèche quand ils ont 6 mois, et puis une vingtaine d'années plus tard, ils ou elles peuvent célébrer leur mariage dans la salle des fêtes de Rayamushka. Et ensuite, ils amènent leurs enfants à l'école de Rayamushka. C'est dire combien ce complexe est un centre de vie juive, puisque c'est un passage énorme, 500 personnes pratiquement tous les matins viennent dans les offices consécutifs à la synagogue qui est tenante à l'école, parce qu'ils amènent les enfants. C'est énormément de conférences, ce sont énormément de lieux de rencontres, et par conséquent, c'est un foyer de la vie juive de la communauté, pas seulement pour le 19e arrondissement, mais pour la région parisienne.